Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Beautiful Box du mois de juin. La voici, elle est magnifique, regardez-moi ça. J'adore ce packaging, très américain, tout ça, tout ça. Le thème, c'est Escape to Coachella. Donc, bon, c'est un peu passé, mais c'est pas grave. Elle est vraiment magnifique, elle est un peu lourde. Je trouve ça plutôt cool. Je l'ai reçue il y a 2-3 jours et je ne l'ai pas ouverte. Si, je l'ai ouverte. Ah, si, je l'ai ouverte, mais... Non, je l'ai pas ouverte. Non, je l'ai ouverte. Si, je l'ai ouverte. Si, je l'ai ouverte, mais j'ai vu qu'un seul produit. J'ai qu'un seul produit en tête, un baume. Je vais vous montrer ça. Donc, déjà, le packaging, magnifique. La petite lune derrière, comme ça, voilà. Hein. Bref, elle est très, très belle. Je l'ouvre, je vous montre en direct, je l'ouvre, hein, d'accord. Et voilà ce que j'ai vu. Voilà, tout simplement, j'ai vu ceci. Le Sunny Kiss Ananas Lip Scrub, c'est même pas un baume. Vous voyez comment j'ai ouvert la box, je n'ai même pas fait attention. Donc c'est un gommage pour les lèvres. C'est de la marque Hello Body. Alors vous savez, je commence, enfin vous savez peut-être pas, j'ai acheté qu'un seul produit d'Hello Body que je n'ai toujours pas testé. C'était lors d'une vente privée, quelque chose comme ça. Il sent super bon l'ananas. Je pense que je vais l'essayer ce soir ou demain parce que je pense que mes lèvres, ça leur ferait du bien, donc voilà. Mais franchement, il sent super bon. 14 grammes, je pense que c'est la taille, la vraie taille, quoi, la real taille. Non, ça se dit pas comme ça. Real size, et c'est un autre nom en vrai. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus parler. Comment ça s'appelle? C'est travel size ou fuel size? Voilà, je pense que c'est la fuel size. Donc je suis plutôt contente, je voulais l'essayer ce produit. J'avais vu des photos sur Instagram, tout ça, et je voulais l'essayer, et je l'ai, et je suis bien contente. Ensuite, le deuxième produit qui est en dehors du petit sac, c'est ceci, c'est un vernis à ongles de la marque Ethnicia, excusez-moi. Il y a marqué brillant, vernis à ongles brillant. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que c'est transparent? Ah, wow! Wouh! Ça en jette. Et ben, je vais le mettre ce soir, je dois faire mes ongles. Je vais le mettre ce soir, il est super beau quand même. C'est un vert, vert eau, vous voyez ce que je veux dire, un vert turquoise quoi. Ça fait penser aux vacances, etc. C'est super beau, franchement il est super beau. Au niveau du pinceau, on va voir ce que ça donne, si j'arrive à l'ouvrir, ouais c'est good. Pinceau basique, ni trop grand ni trop petit, texture qui a l'air plutôt basique. On va essayer ça ce soir, comme ça je vous donnerai mon avis. Ensuite... j'ai dans ce petit, petit emballage, et alors ça doit être un jewel, si il est marqué, c'est un, comment on dit ça, un bijou, voilà, hein, tout simplement. Alors, donc c'est une boucle d'oreille, ou un bracelet. Ah si, c'est un bracelet. Donc moi, vous savez, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas très bijou, tout ça, donc je remets ça dans son petit emballage, je mets ça de côté pour un prochain concours. Et puis, bah comme ça, je l'enverrai à la gagnante qui aura gagné le prochain concours. Voilà, ça c'est mis de côté. Ensuite, alors, il y a encore un produit en dehors de la boîte. Il était bien caché, il était tout au fond. C'est ceci, donc c'est de retour. Ça, je suis bien contente. Ce sont en fait les petits tatouages éphémères qu'on peut se mettre sur la peau, tout ça. Franchement, ça me manquait Beautiful Box. Ça faisait presque un an que vous aviez arrêté ça. Et j'étais super déçue qu'il n'y ait plus tout ça. Je trouve que c'est la petite signature de Beautiful Box. Donc j'aime beaucoup. C'est très doré, c'est très Coachella, tout ça. J'adore. Franchement, je pense que je vais l'utiliser, je pense la semaine prochaine. Je vais me faire ça. Comme ça, ce sera mignon pour le travail. Moi, j'adore ces trucs-là. Donc ouais, je suis super contente. Je trouve ça trop bien. Ensuite, dans le petit sachet, on a pas mal de choses. J'ai l'impression que cette box est super remplie. Alors, on a de chez Palmer's, la formule à l'huile de noix de coco, l'huile de coco lait hydratant corps. Bon, 50 ml, moi vous savez j'en ai eu plein. Je mets ça souvent dans mes concours parce que je ne les utilise plus, j'en ai trop en fait. Comme le bracelet, je vais mettre ça de côté pour le prochain concours, comme ça c'est fait. Ensuite, nous avons un lait corps pailleté, Coachella Glow, et il s'appelle Exception. Je crois, exception plutôt. Je sais pas, c'est une exception plutôt, je pense que c'est ça. C'est 100% vegan, c'est pas testé sur les animaux, c'est pas plus mal. Et ça vient de chez Joyce. Donc, comme vous savez, souvent Beautiful Box, ils travaillent avec la marque Joyce. Je me demande si ça leur appartient pas, je me pose des questions. J'étale ça.
Niveau odeur, je sens rien de ouf. Et alors, niveau. Alors, c'est un lait, ouais, ça je suis d'accord. Après, je vois pas trop de paillettes. C'est très léger. Mais alors, plus que léger, si je secoue, est-ce que j'aurai plus de paillettes? Je vois pas vraiment les paillettes en fait. C'est très très léger. J'en ai mis plus. Alors là, il va falloir que j'étale de partout. C'est un lait. On sent bien que c'est un lait. C'est très légèrement pailleté. Hein. C'est pas. C'est beaucoup moins pailleté que l'huile Nuxe qui est pailletée. Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. J'en ai même pas sur les mains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça sera pas pour le côté paillette, franchement, que je mettrai ça parce que c'est très très léger. C'est très très discret. Franchement, c'est très très discret. C'est surtout un lait hydratant. Et puis c'est tout. Et ensuite, j'ai eu alors un mascara Jet Lag XXL Volumizing Mascara Carbon Secrets. Et c'est aussi de Joyce. Voilà. Oula. Maintenant que j'ai mis du lait, j'arrive plus à ouvrir les produits. Mais c'est génial. Comment je vais faire? Alors, c'est une brosse basique. Je pense que je vais le mettre demain matin pour voir ce que ça donne. Ça sent rien. Je vais essayer ça. Je verrai ça demain. Je vous tiendrai au courant. Pareil après la vidéo. Enfin, dès que j'aurai mis la vidéo en ligne. Mais je vais quand même essayer ça demain matin parce que ils disent à fond le volume. Je vais essayer ça demain matin pour aller au travail. Et ensuite, on a un rouge à lèvres Sephora. Alors, c'est le R17. Je vais quand même vérifier si je l'ai pas déjà, parce que si je l'ai déjà, je vais pas l'ouvrir, quittez pas. Alors, je n'ai pas ce rouge à lèvres parmi mes rouges à lèvres, c'est spécial, c'est bizarre. Donc, c'est un rouge normal, un vieux rose, je vais le swatcher. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un vieux rose, c'est un peu pâlot, je trouve. Souvent, maintenant, je trouve que les rouges à lèvres sont un peu pâles, parce que peut-être parce que j'ai les cheveux beaucoup plus foncés. Je pense que je le mettrai au cœur de mes lèvres, pas plus. Et juste, je viens de bouger, donc je suis allée un peu en dehors de la lumière, le truc là, le circle, je sais pas quoi là. Il y a quand même un peu de paillettes sur le lait de Joyce là, exception, mais c'est quand même assez léger, mais ça se voit quand même. Voilà, donc ça donne un côté un peu, ça fait pas paillettes à fond quoi, ça fait légèrement irisé, mais c'est très léger. Et pour le rouge à lèvres, ouais, c'est un peu pâle, je vais voir ça. Je vais voir ça, je vous tiendrai au courant pour le rouge à lèvres, j'en suis pas sûre. Donc voilà, bah pour la Beautiful Box du mois de juin, franchement c'est une belle box, je suis bien contente, de toute façon je suis bien contente d'être abonnée à cette box. Je vais être honnête avec vous, je pense que le produit préféré ça va être ça, voilà c'est vraiment ce que je veux essayer. Après j'ai quand même hâte de voir ce que va donner le mascara, j'ai hâte de savoir. Maintenant le rouge à lèvres c'est pas, en fait le problème c'est pas le rouge à lèvres, c'est plus la couleur. Ouais, je sais pas si ça m'ira, donc je verrai. Et ça, c'est vrai que c'est joli maintenant. Je suis pas très laid, pas tout ça, donc va falloir que je vois. Et par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient mis ce lait-là et celui-ci. Alors, certes, celui-ci est plus nourrissant, mais pourquoi deux laits pour le corps? J'ai pas trop compris. C'est dommage, en fait. Ça, c'est juste dommage. Je suis bien contente que ça soit de retour. Merci. Et ça, bah, je suis pas très bijou, donc pareil, je pense que, voilà, il y a le certificat d'authenticité, je le laisse avec. Je sais pas si vraiment ça sert ou quoi que ce soit. Et, ah, alors attendez. Je viens de voir ceci, c'est un petit prospectus qui nous dit qu'on peut bénéficier de moins 30% de réduction sur tout le site Hello Body avec le code SUNNY30. Donc, bah écoutez. Ça c'est cool. Alors l'offre, elle est non cumulable et elle est valable jusqu'au 30 septembre 2018. Et bah écoutez, ça c'est vraiment bien. Je revérifie quand même s'il n'y a pas d'autre chose. C'est tout. Et bah écoutez, voilà. Bah moi je suis contente. J'aime beaucoup cette box. Je trouve en plus qu'elle va bien avec le mois de juin s'il faisait beau. Malheureusement il fait moche. Mais ça ils pouvaient pas le savoir. Le lait sent super bon par contre. Ouais. Il sent vraiment bon, c'est ça que je sens depuis tout à l'heure. C'est très agréable comme senteur. Je trouve que ça fait un peu plage, mais pas trop non plus. Donc c'est assez agréable. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette box. Peut-être que vous connaissez déjà certains produits. Ah, j'ai oublié le vernis à ongles qui a l'air d'être une tuerie. Je suis désolée, je le vois sur le côté. Ouais, ça a l'air d'être une tuerie. Oui, dites-moi en tout cas si... c'est complètement farfelu ma vidéo en fait. Bref.
Dites-moi si vous connaissez déjà ces produits, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette box, etc., etc. Bref, laissez un commentaire et n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!